Merci la sœur Marie-Jenny, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons toutes bien-aimées qui écoutent, soit à travers une station, à travers Facebook ou bien à travers YouTube. Donc que le Seigneur est capable de bénir abondamment. N'a pas pris une pause et tout de suite. N'a pas retourné pour les suites nécessaires. Était branché et n'a pas tourné. Yeah.
Allons lire ensemble pour la méditation et la prière d'intercession. Nous allons lire ensemble Jérémie chapitre 29, commençant par le paragraphe 8 jusqu'au le paragraphe 14. Jérémie 29, 8 à 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu dont je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Vers toi, mon tenant hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, sur tes notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que sous ta bannière est le peuple racheté. Il marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. À ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis.
Merci frère Jérôme Rodrigue, que le Seigneur capable béni ou, béni famille nan, béni petit, petit yo. Nous dit le Seigneur merci, et un grand merci à chaque monde qui coûte et qui béni à travers ministère ça pendant moment pandémie, hein? Le Seigneur te permet nous rester connectés et pour nous continuer glorifier à travers réseaux sociaux, à travers radio, à travers et technologie, hein? Que le Seigneur encore merveilleux. Parole lit toujours à circuler. Et nous saluons, saluons courage, nous saluons détermination, conviction pour nous capables de continuer glorifier le Seigneur. Nous prenons quelques minute pour nous capables de présenter aux méditations et paroles là à travers texte nous sortent li. Mais qui te dit ou que ou a gagné le frère Ricardo estimé chaque dimanche à partir de 6h ou 7h. Donc, l'important pour capable continuer à suivre la parole. Et ensuite, à partir de 8h, nous va gagner Frère Daryl François. Il va sur les ondes. Il est encore bon pour nous écouter la parole. Important parce que nous avons besoin d'être des petites paroles manifestées et pour nous capables de glorifier le Seigneur. Nous allons prier pour non seulement pour le monde, mais nous allons prier pour chaque frère acteur Nouyo qui toujours connecté, suivre programme non? Et qui là pour nous capable continuer partager même nourriture spirituelle. Nous saluer ou même qui a coûté, qui pral coûté, que le Seigneur capable bénir et que l'année 2022 hein, capable vraiment une expérience qui est beaucoup plus grande que l'année 2021. Parce que pendant nous sur la terre, n'a fait des expériences et le Seigneur permet même pour nous faire des expériences. Et que des expériences bien, que des expériences côtaré les mal, et bien toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Finalement, ce ministère qui m'a demandé pour rester ferme, premièrement pour retirer la peur,
la peur autour de vous, à l'intérieur de vous. Donc, pour capable continuer, servir le Seigneur, première chose qu'on a besoin de faire, faut retirer la peur. Pour pas trembler pour s'entendre, pour pas trembler pour s'ouer, ou pas trembler devant et ça qui est irréel et a fait le passé comme des choses réelles. Nous, c'est ministère qui dit où que il n'y a qu'une seule vraie force. C'est le Créateur de toute éternité. La toute puissance. Donc, ou besoin porter regard, ou besoin croire dans le Créateur. Nous pas prêcher une autre force qui a combattu. Une fois que ou fin connons sont électés ou sont destinés à la vie éternelle. Nous pas faire connaître que ou gen aucune autre force qui capable combattre tout et ou pas dans bataille à aucune autre force et ou besoin qu'on la parole non seulement la parole révélée pour capable vivre expérience ça que n'a partagé. Ceci est tellement vrai. Paul, l'homme de Dieu, serviteur que le Seigneur utilisait pour servir, pour témoigner non à travers le monde entier, l'y déclarait avec l'Église. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, Paul, pas de jamais croire que l'ego force de l'extérieur qui est capable d'abattre les. Bien que il y a Satan que le ministère Hébreux 13-8 identifié pour ces pigots ennemis, j'en ai présenté au lit, qui différent à ministère ça, qui c'est la chair, votre propre chair. C'est lui-même nous identifier pour vous comme Satan, comme faiblesse, que vous avez goumé à travers ennemi ça, pendant un corps ça. Pendant un corps là, donc la chair devenue une faiblesse, une ennemi. Et ceci est tellement vrai. Paul dit l'Église dans Éphésiens chapitre 6, t'as remis joindre texte à vous, chapitre 5. Et Paul Fayon. Il y a un parallèle entre l'esprit de la chair et l'esprit de Dieu. Paul fait un parallèle pour l'église d'Éphèse pour le montrer yo plus gros ennemi hein, qui t'a doué en face nous, Christ détruit à la croix. Donc, tout le monde qui veut rentrer dans le ministère, ça, nous pas en affaire à Dambala. Ça, c'est bagaille paille. Nous pas en affaire à Ogou Ferraille. J'ai dit langage vulgaire. Moi, considère comme un langage vulgaire depuis l'homme trouvé en Christ. Nous pas en affaire à Tijan Petro. Ça, son langage vulgaire. Depuis l'homme trouvé en Christ, m'pas en affaire
avec Ezuli, Frida, Jean Yobanoun, en pile dans nous, qui dans la peur et contre esprit ça yo, mais une fois qu'on trouve en Christ, ou pas gen aucun rapport avec Ezuli, Jean Petro et Dambala, moun yo remet tan de paroles sa yo en pile. M'pa konn depuis ki lèm pa parler bagay kon sa. Et mais moun yo remet ça, lo a fait yo konnen yo en face Jean Petro, yo en face Dambala, l'église la chauffé. Vous comprenez? Et c'est avec paroles vulgaires sa yo, yo fait devenu yo esclave. Et tout ça qui nan men ou comme héritage pa ou pou ta vivre avec famille ou, donc yo prennent parce que depuis yo meto en face Dambala ou Gouferay et diab en bala men, diab nan forêt, donc ou même la peur envahit. Ministère Radio de Bretagne TV pas prêcher eux parce que nous connaissons des choses vulgaires. Et tout le monde commence à comprendre la réalité. Autrefois, il était même fort peur pas aller sur les ondes pour voir ou pour diable pas prendre voir. Mais je dis, hein, circonstance moment a démenti yo. Mais sou pas intelligent pas comprendre ça parce que yo te di photo pas gen droit circuler. OK? Mais je dis à photo sur Facebook, yon nan plus grand média nan monde lan, photo sou YouTube, photo tout partout, voir aller tout partout parce que maintenant ou gen confiance nan créateur. Si gon pouvoir yon autorité, c'est moi qui lié, c'est pas des choses que l'homme fabriqué, des choses que l'homme créé pour capable créer la peur, la crainte nan ou. Généralement, nous pas prêcher pour nous dire prends précaution à Dambala, à Ogoufir parce que parole là, li se boussole mwen l dim nan 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un kounya, c'est ou pou konnen si ou en Christ ou non. Kounya souv le message Dambala ou Gouferay yo, donc ou en dehors Christ, allez joindre protestant religion sa yo pou yo prêcher ou bagay sa yo. Mais frère David à tout bien-aimé cap suivre à travers le monde, pas prêcher gens des fables ça yo, gens des choses vulgaires ça yo. Donc pour capable attirer attention d'une manière ou d'une autre qui fait de moment à d'autre devenu un gant en face. Non, me fait croire que nous en Christ les choses anciennes sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. On est en Christ. On est avec le Seigneur. On est pour le Seigneur. Donc, et il était très difficile pour message ça yo passer surtout dans petite communauté qui pas gen moun qui éclairé spirituellement et qui d'accord continuer bay moun menti. Continuer faire moun yo vivre dans le mensonge. Donc nous pas prêcher gens des bagages ça yo, prêcher des choses qui pourraient nous dans la peur, dans la crainte et pour nous capable appréhender ça dans main. Non. Nous c'est des frères et des sœurs. N'a vivre la vérité absolue. Nous en Christ, Jean
Paul dit dans Romains 8, premier, mon qui en Christ, mais ça le dit. Il n'y a donc maintenant, à partir de ce moment que je suis en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et ceci, une fois pour toutes. Donc, nous prêchons la puissance de Christ est en vous. Les rassurez-nous à travers Jean 14, les dit, les praler, mais quant à nous, les disciples, il sera avec nous, il sera en nous. Donc, nous pas jamais écartés de l'esprit créateur qui est autour de nous, qui en nous. Donc, nous pas prêchons aux gens de type de message ça yo, et nous connaissons ça tabac nous, en pile popularité, mais qui t'aime perdu popularité, pour nous dire vérité, ok? Préférez nous réduire notre popularité, réduire non des personnes et qui gagnent pile renommée qui t'a dû connaître puis t'en réduit à clé mais pour nous rester dans la vérité. Donc yo prêché nous yo Lucifer qui t'est gourmé avec créateur dans ciel là et au même place le pour ça veut dire ciel là bon lieu on lieu côté moun ka camper côté moun ka bataille. Yo montré ou nan Apocalypse 12 gen yon ennemi le serpent ancien qui est identifié comme Lucifer te bataille avec le Seigneur te bataille avec le créateur mais nous même nan ministère Hébreux 13 TV nous dit non donc bataille ça c'est pas bataille entre le créateur de toute éternité qui possédait la toute puissance qui gagne être cap goumé avec lui l'essentiel pas gain personne moun pas aucun être à travers le monde qui ca goumé à créateur il est au-dessus jamais donc parole là gain des métaphores des paraboles qui gagne des vérités là-dedans que ou besoin percer. Donc c'est pas yon bataille entre yon être qui est aussi puissant qu'a goumé à le créateur de toute éternité mais non. Donc c'est deux camps c'est l'homme qui possédait l'esprit de la chair en premier lieu, première définition, ça veut dire chaque personne qui existait, il y a deux esprits. L'esprit de la chair et l'esprit de Dieu. Donc, sans bail plus manger, a plus fort que yon, que l'autre. Si moi prends l'esprit de la chair, au lieu, dans des moments, pour présenter des cantiques et des psaumes, pour non moi capable nourrir spirituellement moi choisir c'est non plaisir de la chair et plaisir de toutes sortes que ma baille la chair manger que vous voulez l'esprit ça des contrôles sous l'esprit qu'ta relé l'esprit de Dieu au contraire il est écarté ou à vivre de l'esprit de la chair tout seul maintenant si vous permettez que l'esprit de Dieu qui c'est la puissance de Dieu qui est en vous. Donc, ou nourrit à travers la parole, ou nourrit par des cantiques inspirés, ou nourrit par la vérité. Donc, sûrement, donc, ou a gagné victoire sur l'esprit de la chair. L'esprit de la chair qui a fait n'importe bagaille, qui a fait voler,
li ka fò yon pédéras, li ka fò yon homosexuel, li ka fè ou krasé foyé ou, li ka fè ou ennemi avec frère avec sœur, li ka fò jaloux, li ka capable fè toutes sortes de bagay. Ça veut dire ça bay plus manger, hein? C'est li gagne plus puissance. Tu vois? Donc là son bataille entre la chair et l'esprit. Maintenant, l'autre bataille, c'est l'esprit de la chair qui comblait un groupe de monde avec un autre groupe de monde qui remplit avec l'esprit de Dieu, qui voulait rester dans la vérité. Et puis, il y a un goumet, il y a division entre nous, il y a une bataille. Il y a un groupe qui a goumet pour rester à travers l'esprit parole là, il y a un autre groupe qui a bataille pour vivre l'esprit de la chair. Vol, adultère, toutes sortes de saletés. Donc, gon goumen. Si m'dis vérité, l'autre esprit de la chair là, dans l'autre groupe mounan, levé contre moi. T'avais dit gon bataille, ça va regarder sur les zones. Gon goumen. Pasteur à pasteur, fidèle à fidèle, etc. Gon goumen. Ça veut dire, le Seigneur, pendant sur la terre, ou fait expérience à eux. Le Seigneur a tout fait pour un but bien déterminé. Donc, l'essentiel, nous présenter aux vérités paroles là, et nous aider à comprendre ça qui est réalité. Maintenant, on rentre rapide, parce qu'on a gagné étude chaque jeudi avec nous. Donc, ou même qui a à peine tant de ministères Hébreux 13 TV, ça a pour faire. Ou capable aller sur Facebook, sur YouTube, et puis, ou abonner avec ministère ça, donc, ou à connaître plus vérité, ou bien, ou à suivre message là. Mais, à jodi à la, dans quelques minutes que n'a passé pour nous capable terminer, n'a seulement prend le texte et le passage 11 qui dit, car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. En premier lieu, l'Éternel, qui c'est le créateur de toute éternité, l'y déclarait avec le peuple d'Israël, son peuple. Israël était en Babylone, Israël passait 430 ans en Égypte, en esclavage, donc, le Seigneur, le Créateur de toute éternité, réconforte yo. Li di yo que c'est lui-même qui t'a envoyé en Égypte. C'est lui-même qui t'a allé en Babylone, peuple bon Dieu. Mais dans le passage 14, il dit où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller. En captivité, c'est moi-même, l'Éternel, qui voyait nous faire des expériences en Égypte, en Babylone, côté peuple a souffri pendant 430 ans. Mais l'heure vini pour y avoir perdu espérance, espoir, créateur a retourné pour réconforter peuple. Le peuple Israël, c'est comme un petit bébé. C'est ça, des hommes et des femmes de Dieu yé, cap milité, c'est comme des bébés cap grandi, qui n'ont berceau, et de parents besoin veiller sous lit à tout moment. Veiller, leur besoin manger, veiller, leur besoin boire, veiller, leur li ap viré col sous cabane, veiller, leur commencer marcher, donc pour la kembe, pour la kembe, je m'excuse, justement pour ne pas tomber. Donc, c'est rôle parent. Donc, c'est ça, créateur a fait pour peupler. Pas penser l'on fait des expériences, soit arrivé des expériences mauvaises, c'est que Dieu pas la donne. Au contraire, Dieu dans des expériences mauvaises côté, même moi, demandé, est-ce que bon Dieu là? Oui, Dieu est là, il est là. Et il est omniprésent partout à la fois. Il réconfortait le peuple d'Israël, il dit Israël, moi connais projet que m'te formé. Souviens-nous.
C'est moi-même l'Éternel qui m'a signé en Bali. C'est moi-même qui t'ai signé projet ça sous nous. Elle dit yo projet ça, mes projets. Malgré tribulation, malgré épreuve, mais bon projet que l'Éternel signé sous la vie nous. M'a dit ça à travers tout bien-aimé cap couté à travers le monde. En dépit de toute expérience qu'on fait dans l'année 2021 qui t'a semblé des expériences mauvaises, mais pas oublier que le Seigneur a dit ou que le bon projet que l'y former, l'y mettre sous vie ou, et l'identifier avec le peuple d'Israël ou même tout, l'identifier là avec ou, projet ça, c'est projet de paix. Il est vrai. Pas de travail. Il est vrai, sans t'avoir besoin ou pas joindre ni, mais il y a ce qu'on appelle les projets de paix qui ont été signés pour vous-même, pour bien-aimés qui a servi le Seigneur. Donc, les projets de paix et Moun Palio les dit, projets de paix, non de malheur. Dieu pile des fois, ça nous rend les malheurs, yo, c'est parce que bagay yo pas allé tellement bien, j'en t'a souhaité. Donc, on dit, ça, c'est projet de malheur, mais le Créateur, il est dit, projet, pour petit li, c'est projet de paix, ouais, non de malheur, dit l'Éternel des armées. C'est le Créateur de toute éternité qui signait ça. Ou relèl, parfois, l'on rencontre des difficultés pendant l'année, ou dit, ah, nous tombons dans tel malheur. Ou bien, ou t'es malade. Ou bien, des bagages qui arrivent à froyer. Ok? Ça, yo, ce sont des épreuves. Mais pas oublier que le Seigneur signait pour un projet pour le fait que vous content. C'est projet de paix, et puis lui même il sien la donne, non de malheur. Et il dit non seulement non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et pour nous terminer, pour nous, il besoin nous capable rassurer dans lui. Et ça fait lui annoncer avec le peuple d'Israël, il dit Israël. C'est moi qui a parlé, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi-même qui a parlé l'Éternel des armées. Le Créateur qui possédait la plus grande armée de toute éternité, il dit moi signé. Il dit pas laissez tromper par vos prophètes. Parce que prophète yo, depuis le temps des temps, yo était toujours en pile là-dedans yo. Pas des vrais prophètes, mais c'était des faux prophètes. Ça nous joigne aujourd'hui. Les dit yo. Puis gan laissez-nous emporter par des prophètes qui sont au milieu de nous. Nous avons constaté comment prophète yo ba en pile menti. De nos jours, nous avons constaté, c'est pas des vrais prophètes, des prophètes qu'on a fait miracle, mais qu'on a vu, oui, des milliers, on va dire millions, mais prophètes, ils n'ont pas fait rien, ils ont toujours à faire des promesses qui en dehors parole là. Donc, le Seigneur te dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. Moun kap servi des esprits infernal, n'est-ce pas? Donc, li di nou écartez de yo. Non seulement, li di pa koute moun kap fè songe, pote un paquet de songe ban nou tout journée ki pa rete nan parole. S'il écarte parole, l pa ka yon vrai songeur.
s'il est écarté de la vérité, donc le Seigneur pas qu'à parler avec lui. Donc il dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Il dit, c'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. Il sien, il dit, écoutez, faut qu'à identifier vos et prophètes yo, qui sont des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, de moun qui fait des promesses, viennent dans croisade nous pour guérir les malades, ça aussi sont des faux prophètes. Viennent dans veille de nuit, a bien guérison, c'est faux prophètes. Viennent dans jeûne, miracle pour le fait pour nous depuis une temps de prononcer ça yo, ce sont des faux prophètes, pas quoi là-dedans yo et le Seigneur signe. Mes chers amis, pour même qui pral traverser une nouvelle année, mais faut qu'a identifier réalité avec sa pareil là, il dit je ne les ai point envoyés, moi pas voyé yo, mais yo parlé dans nom, moi pas voyé yo, c'est moi qui sien, dit l'Éternel des armées. Venez brancher et connecter, nous pral rentrer dans la prière d'intercession et nous pral prier pour frère nou yo ak sœur nou yo. Rete branché n'ap tounen. Voilà, nous rentrons dans la prière d'intercession. C'est le moment pour nous prier pour tout frère nous, spécialement collaborateurs nous, collaboratrices nous, pour nous capables de rester dans la parole Seigneur pendant l'année 2022. Puis quand j'ai oublié, il y a un projet que le Seigneur signe pour l'y former. Li déposer sous vie ou il dit ou ta dû marcher avec projet ça, projet de paix. Même le monde t'a voulu effondrer, le Seigneur a signé pour nous le projet, les projets de paix, non de malheur. Pas quitter la peur envahie pour l'année 2022. Mais première chose que vous besoin faire, pas oublier, sortir dans religion. Religion by la peur. Mais de vous pas dans la religion et aussi parole là,
Donc, nous serons certains, l'année 2022, non seulement un succès, et on marcher de victoire en victoire. Nous gagnons pour nous prier pour la famille Rodrigue, Jérôme, qui l'a, qui a encouragé, qui a conseillé à travers parole, Seigneur. Nous va prier pour la famille Camille, la famille Bernadette Mathurin, la famille Cola, la sœur Marie, Sénatus. Nous va prier pour famille, la famille Béatrice, Prudhomme. Nous va lever dans la prière. La famille Kepler, la famille Carbon, la famille Bernadette Mathurin, la famille Patrice Saint-Just, la famille Daryl François, la famille Siraille, tout bien-aimé qui dans la communauté, Zami qui connectait émission à travers Modla, à travers des stations de radio, que le Seigneur est capable de bénir, que le Seigneur est capable de garder nous. Que nous va vivre un succès dans la paix. Parce que c'est ça le Seigneur prononcé sous la vigne. Projet de paix, non de malheur. Disposez-vous pour nous prier. Nous va prier pour petit bébé yo, qui a grandi, qui fait, qui besoin grandi pour yo venir camper. Pour parler pour le Seigneur. Disposez-vous pour nous capables de rentrer dans la prière et nous va terminer un bon moment qui nous est passé dans le service d'adoration et de louange. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Père, nous disons merci pour tout bien faire envers nous pour l'année 2021. Nous pas gagné mot, nous pas gagné expression pour le remercier. Mais seulement, nous disons merci en dépit de tout. En dépit de tout ça qui passait à travers l'année 2021, faiblesse nous te rend compte, nous fait des expériences à des malheurs. Mais parole ou réconforter nous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci. Ou dit, pas de malédiction pour moun qui n'a ou. Pas de la peur pour moun qui a servi ou. Pas de malheur. Car ou dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Cela veut dire, quel que soit Jean Saïe, nous remporter la victoire. Que nous relève le malheur, nous remporter la victoire. Que nous relève le succès, nous remporter la victoire. Nous qui sommes en Christ. Merci. Merci pour la famille Rodrigue. Merci pour la famille et Carole Nazaire. Merci pour la famille Bernadette Mathurin. Merci Seigneur pour la famille Kepler. Merci Seigneur pour la famille Carbon. Merci pour la famille chaque bien-aimé indistinctement, la famille Camille, chaque famille qui a coûté de près et de loin. Merci pour la famille Daryl François, que non capable l'ouvrir. La famille Marie-Jenny, la famille Ricardo, estimé que non Seigneur capable glorifier. Chaque bien-aimé qui prend la parole sous station, les jeunes garçons qui en formation, nan parole ça, nan ministère ça grandir. Les jeunes filles qui en formation ou capable instruire yo, garder yo et permettre Seigneur yo prend la relève pour la plus grande gloire de ton nom pour yo glorifier nom à travers le monde entier. Merci pour protection, merci pour guérison, merci pour la vie que vous mettez dans nous. Nous prions pour le monde entier. Chaque nation qui existait indistinctement, maladie,
C'est là yo qui est encore dans l'ignorance qui peut comprendre volonté yo, instruit yo, au fur et à mesure Seigneur yo capable rentrer dans parole ou dans vérité ya, pour capable glorifier nom. Nous prions Seigneur pour communauté ça, communauté Reading dans Pennsylvania, à travers aux États-Unis, toutes têtes aux États-Unis. On va bénir et garder et permettre nous capable glorifier. Nous prions pour la famille Sirai spécialement. Demande au Kimben ba nous des convictions, détermination pour nous capable glorifier. Et chaque bien-aimé qui pral vinn en dans ministère ça préparer pour capable tendre message de restauration, message la fin des temps pour pas prendre dans des prophètes, des faux prophètes, des faux songeurs que ou mandé pour yo prendre garde, mettez à l'écart de yo. Permettre l'année 2022 va yo une année de bénédiction manifestée autour de nous, à l'intérieur de nous, à travers frères et sœurs qui écoutent à travers le monde entier. Seigneur, nous prions et adresser aux requêtes de prière d'adoration ça. Guéris-nous tant au point de vue spirituel, au point de vue physique, pour nous capables de continuer à glorifier. Merci Seigneur. Nous prions au nom de ton Fils manifesté, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.